Toi et toi, meuf, tu vois ce que j'ai en réserve. Matin, midi et soir, je prends les fleurs et je pilonne. Puis là, déboule une go qui veut que je la tamponne. Elle me dit, c'est ici, le fleuriste alchimique. Je lui réponds qu'ici, on fait que de la botanique. Moi, je fais pousser de la beuh, du thé, de la verveine. Si meuf, tu veux du bleu, moi, je te sors ma grosse veine. Elle veut me licher l'anis, moi, je trouve ça dégueulasse. La camomille framboise, c'est mieux pour les chaudasses. Elle m'achète un plat bol avec une théière un peu lourde. Encore une cliente satisfaite, remplie comme une grosse gourde. Ziva, qu'est-ce que tu me veux, bâtard? Courta Sarma. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue sur PotionCraft. Oh là là, on est de retour sur PotionCraft. Vous en avez réclamé, vous allez en avoir. Mais Bob, depuis quand nos opinions ont-elles la moindre importance sur cette chaîne? Bah depuis l'argent. Ça commence sec en tout cas. Rebienvenue sur l'espèce de bêta preview, pré-vente de PotionCraft de l'amour, version complète, fait voir. Voilà, il y a plein de symboles, plein de choses. J'ai pas fait gaffe, ce n'est pas une OPSP, c'est vous qui en avez littéralement réclamé plus du coup. On reprend la sauvegarde exactement là où on en était resté avec... avec Sœur Liposus 17, notre ancêtre, bien évidemment. C'est ça qui est bon. Oh, mais j'ai même pas tout récupéré, attendez. Hop, petit tour à Jardiland, on récupère tout. Ça se récupère. On peut le doigter, regarde. Oh, c'est dégueulasse. Allons-y, je peux cliquer là-dessus? Non, c'est dommage, il n'y a pas de choses cachées. Il n'y a pas de choses mystères, on est bien. Ah, attends, on est en QWERTY, voilà, très bien. Alors, PotionCraft, pour ceux qui se souviennent, le principe est simple, c'est de faire les potions que ce Pégu demande. Voilà. Avec un système de réparation d'alchimie et tout le reste derrière, atteindre le niveau de popularité 4. Si je me souviens bien... Lors de la fin du dernier épisode, nous avions insulté absolument tous nos clients jusqu'à ce qu'on en trouve un qui accepte d'accepter... enfin, qui accepte enfin notre potion d'explosion, voilà. J'ai le souvenir que c'était ça, c'est pour ça. Et là, on a Merlin qui vient nous voir et qui est là. Salutations, collègue. Comment ça va, les affaires? Bah, comment ça, collègue? Tu bosses, toi aussi? Non, j'ai pas de magasin, j'ai un laboratoire dans une autre ville. Je m'en sers pour mener diverses expériences alchimiques. Je fais des recherches contre de l'argent et j'aide des gens en échange de faveurs. Y a pas de concurrence entre nous, même au contraire. J'ai même deux appareils qui pourraient vous intéresser. Montre-moi ce que t'as. Qu'est-ce que c'est? Du papier enchanté. Ah, du papier cube pour créer des nouvelles formules rapides. Je vais en prendre une. Je vais le négocier. Du cul. Du beau temps, de la littérature. De la littérature qui parle de beau temps, de livres et de cul. Toujours du cul. L'amour, très important. Essentiel. Voilà, apparemment, là je suis bien là dans la balance. 60, ça a l'air d'être le max. Bouc ! Voilà, c'est bon. Eh ben, on a économisé 40 balles ! Rentable ! On pourrait même en prendre une deuxième en vrai. Hein. En vrai, ça nous ferait pas de mal. Hein. En vrai, je le négocie, allons-y. Que de la négoce. C'est le clic, hein, le clic de votre vie. C'est un jeu du juste prix. Le rideau. Putain, je suis trop vieux. Les gens se souviennent plus ce que c'est les jeux télévisés comme ça. Voilà ! Ils connaissent que les jeux Azerator. Allez, on paye. Elle est vendue. Maintenant, tire-toi, Clodo. Ah, un client et une cliente. Pour là, avez-vous réellement besoin de potions, madame? Voyons voir. Comme vous le savez, de la bonne bière se déguste fraîche. Mais c'est difficile de la conserver. Et il faudrait une bière qui reste toujours froide. Ça a une potion pour m'aider? Malheureusement, pas sur moi, mais si vous voulez bien patienter quelques instants, mon cher monsieur, je peux vous bricoler ça. Alors, attendez. Et là, du coup, on voudrait faire en sorte que ce soit, comment dire, précis, vous voyez ce que je veux dire? Avec une morille de la mort comme ça. Je suis en train de regarder, en fait, les routes possibles et imaginables qui pourraient m'amener à cette potion de nos rêves. Ça, par contre, c'est garanti. Peut-être le mettre 1, 2, voire 3 fois. Et ça une seule fois. Peut-être que 3 fois, de mettre un champignon vert. Un champignon vert un tout petit peu moulu. Avec 2 fleurs comme ça. Et un peu de flotte. Ou je me complique peut-être trop. Simplement une terrarie et 1, 2, 3 aquaflores, tu vois. Histoire de pas me faire chier. Mais je me dis qu'un petit champignon vert. Allez. Hop, on mou, vous voyez que la croix derrière moi dans le fond d'écran là se déplace. Stop, c'est juste assez moulu. Voilà, très bien. Je fais des bruitages en même temps. Voilà, on rajoute ça dedans.
Et du coup, on bourre les fleurs. Hop, hop, hop. Non, non, attention. Hop, hop, hop. Ah, raté. Hop, hop. Ah, putain, c'est chaud. Hop, hop. Ah. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Ah. Bah, attends. Hop, hop. Oh, je suis nul. Hop, hop. La tristesse, les échecs. Ok, très bien. Et donc là, il s'agit d'une question de dosage. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. J'ai dosé normalement à la perfection. Attention, on touille. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Et là, on dilue avec de l'eau. Histoire d'améliorer la qualité de la potion. Rang 2. Allez, rang 3, rang 3. Rang 3, rang 3, rang 3. Oh putain, on est bon! Monsieur Potter! Cette potion est acceptable! Oh là là, potion forte de givre, elle est enregistrée pour une morille et deux pétunias. Putain! Ah les enfants, je suis fier de nous. Là c'est bon, j'en ai une forte de foudre, tu vois, avec pas beaucoup d'ingrédients non plus. Et même presque autant d'ingrédients qu'il faut l'avoir pour l'atteindre, tu vois, rang 3. Potion forte de feu, ça nécessite un champignon chelou au lieu de 3 fleurs rouges. Potion forte de soie, ça demande juste 2 herbes comme ça, des terraries supplémentaires, donc une en plus par rapport à 5% d'ingrédients pour une amélioration. Là je suis fier de moi, je suis fier de moi. Pourquoi je faisais une potion de froid déjà? Ah oui, le client! Oui, pardon! Monsieur, bonjour! Enchanté, voici! Mais cette potion est parfaite! Vous venez souvent dans le sud? Pas vraiment! Un de mes amis vient souvent me rendre visite. Il est tavernier, il vient m'acheter de la bière. D'ailleurs, il m'a demandé d'inventer une bière qui resterait toujours fraîche. À ce propos, monsieur! Mais si vous me la vendez en état, je ferai en sorte que votre réputation augmente! Oui! Mais si je vous la vends pas en l'état, je ferai en sorte que mon compte en banque augmente aussi, et ça, c'est bien. On parle de la meuf qui est juste derrière lui, de grosses saucisses, de meufs, de grosses saucisses, c'est l'âge médiéval, il n'y a aucun respect. Il n'y a qu'un sexe à l'âge médiéval, enfin, il n'y a qu'un type de sexe à l'âge médiéval, il y a les hommes et les meubles. Allons-y, allons-y, allons-y. La violence des propos. Mouk, $57, elle est vendue, merci. Ouh, et ça me fait quand même de la répute, fantastique. Bonjour, hier mon crétin de mari a réussi à se coincer la main dans la porte. Maintenant, au lieu de travailler, il reste allongé sur un banc. Le temps que sa main guérisse, soi-disant. Vous avez rien pour soigner sa main, histoire qu'il retourne travailler? Potion de soins et de sommeil. Ah, je vais acheter cette potion, mais à bas prix. De toute façon, j'arriverai jamais à la caler. J'arriverai jamais à la caler où que ce soit, celle-là. Donc, négocier. Madame, cette potion a les meilleurs cristaux de toute la Terre du Nord. Ici, dans cette potion faite en RNR, vous trouverez la meilleure qualité pour le meilleur prix. 15 balles, éventuellement. Salutations, j'ai besoin de plus de poison, mais je crois pas avoir besoin de nous rappeler les conditions de notre transaction. Potion de soins empoisonnée. Ah. Je vais acheter cette potion, mais à bas prix. J'aimerais bien qu'il y ait une potion sans effet secondaire. Eh ben t'auras ce que t'auras. Viens pas me casser les couilles. Ouf, quoique. De toute façon, potion de poison et de soins, j'arriverai jamais à la... j'arriverai jamais à la refourguer, celle-là. On va la négocier. Non, on va la négocier. De toute façon... Il va me faire une baisse de réputation vu que ce mec n'est pas respectable. S'il était respectable, il serait respecté. Comme disait ma grand-mère, les degrés de violence morale et psychologique, très bien. Allez, bon, tu... À moins 30, aïe. Ah, ma réputation, quoi. Tant pis. Prochaine fois, je lui vendrai pas. Bonjour, vous avez encore assez d'herbes? Il faut toujours avoir une petite réserve de côté. Et qu'est-ce que vous faites quand vous cueillez pas des herbes? Là, je m'enfonce dans les profondeurs des bois et choisis un endroit pittoresque pour écouter le chant des oiseaux. J'essaie également de pousser la chansonnette vu que personne n'écoute. Ah, 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 ah. Vous allez m'acheter un truc? Je veux vous vendre des choses. Ah. Oh, le cactus! La boue d'épine! Spec, spec! Ça pique et ça fait mal. Les racines de lave. Très bien. Chardon tempête, ça c'est fort, ça monte fort, putain. Ça monte fort. Ça, de l'éoflore. Les ingrédients de base, je vais quand même les bourrer. Hein, parce que même si ça coûte pas cher. Surtout que là, elles vendent de la terrarie à un prix dérisoire. Donc j'ai 100 balles. Ok.
Et là, j'en ai 14. Comme quand même, c'est des plantes qui sont d'une utilité folle. Voilà. Je prends tout. Je prends tout ton scotoc et je négocie. Attention. Je lui parle de meufs, de petits oiseaux dans la forêt, du beau temps, de la bière, de la bouffe, les livres, la littérature, la culture, les élections présidentielles, tout. Le Z-Event, tout. Tout est mentionné. Excellent. Marché conclu. Oh là là, je l'ai bien buzzé. Impeccable. Impeccable, impeccable. À ce prix-là, hein, on peut tout prendre. Je négocie encore. Il faut négocier. Négocier. C'est important. Voilà, très bien. Impeccable. Eh ben, très bien. Merci infiniment, cher ami fleuriste. Et partez. Ah, un client. Oh, le pêcheur qui lui met, putain, qui lui met le crochet dans le pif à la vieille d'air. Bonjour, la chimiste. Comment vont les affaires? On m'a dit qu'un poisson rare avait été vu par ici. Il sortirait que la nuit pour manger des lucioles, vous comprenez? Il me faut une potion luisante pour que mon map l'attire et que je l'attrape. Ah! Si vous voulez bien attendre 2 minutes, je peux peut-être vous bricoler un truc. Une potion de soleil, hein. J'ai une... Merde, c'est pas ça. J'ai une potion pour ça, oui. Potion faible de lumière. Ça demande 2 cloches-feu et 1 éoflore. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la relation? 1, 2 cloches-feu, éoflore. Je suis sûr que c'est améliorable. Si on met l'éoflore d'abord... Allez, qu'on la tabasse. Bloup. Voilà, et qu'ensuite on met des cloches-feu, qui vont manquer d'ailleurs. Qui vont manquer, qui vont manquer. Est-ce que je prends le risque de jouer la diagonale? On va la surélever un tout petit peu. Comme ça. Voilà, et ensuite... Là, pile poil. Ok. Très bien. On touille, 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 on touille. Et hop. Et on est aligné. Et j'espère qu'on est parfaitement aligné. Attention, il va pas falloir se chier dessus pour le dosage. Ah, on est trop là, non? On est trop. On est trop, dommage. Bien tenté de ma part, hein. Bien tenté, un effort méritant. Vous voyez que les deux lignes s'alignent pas. Dommage, ce sera qu'une potion level 2, mais finalement on n'aura pas utilisé bien plus d'ingrédients, vous voyez. Donc quelque part, moi pour moi, c'est aussi en partie une réussite. Voilà. Potion level 2, améliorable. J'enregistre la recette et j'efface l'ancienne, qui est finalement juste une lumière level 1 avec le même niveau de puissance, si tu veux, comment on l'efface. C'est où pour l'effacer? Je sais plus où on l'efface. Là. Voilà. Voilà. Potion moyenne de lumière, écoute, hein, tant pis, pour un effet, pour un effort méritoire, je suis sûr qu'il en sera satisfait. Voilà, de toute façon, le mec est pêcheur, il va pas casser les couilles. Je vais la négocier. Je la négocie, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours un peu plus d'argent, et surtout au début, c'est moins une question de réputation, vu que je vends des poisons à des assassins, si tu veux, c'est moins une question de réputation qu'une question de standing ici, monsieur. C'est pas parce qu'on pêche de la morue qu'on va se faire prendre pour détruite. Allez hop, tire-toi. Bonjour alchimiste, j'ai besoin de champignons spéciaux pour un rituel très particulier. Ils apparaissent en cette saison, mais aucun n'a poussé. Il m'en faut absolument. Vous avez une potion pour ce cas de figure? Vous avez une potion pour le terroir? Vous avez une potion pour le terroir? Putain. Et les cèpes, elles disent quoi? Elles disent, on a besoin d'humidité, on a besoin d'humidité. Oh. Putain. On est encore au début du jeu, donc en fait, soit c'est là, soit c'est là. Si on suit la logique, hein. Il y a même une autre potion par ici, mais ça se trouve, elle est loin. Et celle-là, c'est juste une potion de fillon, donc c'est pas important. Donc essayons de calculer comment on peut l'atteindre. J'aimerais éviter d'utiliser les champignons parce que c'est des choses qui poussent rarement, tu vois. C'est pas efficace. Surtout que là, c'est 3, ça descend pas beaucoup. Ça descend pas beaucoup. Qu'est-ce qui descend? Les terraries. Les terraries, ça descend pas mal. Donc éventuellement, un petit décalage de plantes, terraries, et un retour avec un simple retour avec une cloche-feu.
comprends, hein. Je suis pas sûr que ce serait réellement une efficacité folle, mais... Écoute, on va commencer par celle-là. On va commencer par celle-là. Touille, 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 touille. Voilà, très bien. Boop. Voilà, ensuite, on décale avec ça. Putain, ouais, sauf que ça prend un risque, en fait. Attends, une seconde, on cale pas avec ça. On va... Regarde la Terrari. Si je la mettais, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, ça donnerait la mort. Il va faire un petit virage sur la droite et après un revirage sur la gauche. Donc il faut que je décale à donf sur la droite. Ok, très bien. Donc avec une pente comme ça. Touk, 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 touk. Mais on la décale pas au maximum. Juste... Bah, j'ai même trop décalé, là. Remets. Refais la feuille. Refais la fleur. Voilà, très bien. Voilà, comme ça, ça me paraît honnête. Pouk, efficacité. Ensuite, ouais, voilà. Vous voyez, comme ça, avec la marge que j'ai prise, c'est large. C'est large, c'est large, c'est large. Donc touille, 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 touille. Blouk. Retouille. Touille, 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 touille. Putain. Rah, j'aurais dû partir peut-être sur un touillage. Mais je crois que j'ai fait un touillage complet. Hein. J'ai fait un touillage complet. Donc ouais, à partir de là, il faudrait, vous voyez, malheureusement, j'ai pas les moyens. Donc il va falloir que je parte sur un touillage médian, si vous voulez. Parce que j'ai pas d'ingrédient secret qui va nous permettre de régler ce genre de velléité. Ouais, donc pas le choix. Hein. Pas le choix, pas le choix. Hein. Il faut partir sur la touillance. Sinon, il en faudra une de plus. Hein. Je pense pas que je puisse atteindre la potion de là. Hein. On peut voir, ce serait miraculeux, tu vois. Y a pas de raison de se désaxer. Essayons. Si jamais il se passe un truc et que la potion elle s'accepte, et tu sais qu'elle se révèle dans sa vie et qu'elle a oui, je veux être une potion mystique. Ah, je l'avais! Je suis en casse-sac à merde! Bon, c'est pas grave. Ok. I can do this. Touillons, touillons, touillons. Ok. Et le dosage, il dit quoi? Il dit t'es trop à droite, putain, merde. Ouh, nous, on est bon. Ouh, on est bon. Alors, c'est une potion de... Potion de croissance rapide. Mais oui. Mais oui, mon gars, c'est ça qu'on veut voir. Alors, j'imagine, t'as la cliente à côté, quand t'entends... Potion de croissance rapide. Ben voilà, c'est qui l'alchimiste? Pom, pom, pom. Et qu'elle comprend pas ce qui se passe. Mais en vrai, je suis plutôt fier de nous, là, les enfants. Terminez la potion. Potion de croissance rapide. Donc, j'imagine que ça fait pousser les champignons et ses saloperies. J'espère qu'elle sera contente, cette connasse. Elle est contente! Dieu merci. Mais pourquoi pas lancer des sorts sur les champignons? Je connais aucun sort de ce genre. Je suis pas une vieille sorcière des bois. Ma spécialité est différente. D'accord, d'accord. Elle est spécialisée dans les champignons. Ok, pas de problème. Négocier. L'argent, là. L'argent, l'argent, l'argent. Tu veux me tenter de me faire jouer, t'es la mégère et tout? T'as pas d'argent, tu ramasses des champignons dans les bois, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Vous essayez de m'arnaquer au marché noir? Vous essayez de m'arnaquer au marché noir? Voilà, merci. Salutations, je dois neutraliser une bande de malfrats aujourd'hui. J'ai besoin d'une potion qui confère à mon épée du tranchant et de l'énergie magique. Quel genre? Je vous laisse en juger. Je peux vous offrir une potion de foudre? Parfait! Très bien. Et vous êtes un membre de la garde, pour vous c'est gratos. Hop! Pas bien ça. Je gagnais un peu de répute. D'accord. J'adore les explosions, c'est une forme d'art! Hier, une giboulée m'est tombée dessus, elle a abîmé toutes mes bombes, chérie! Je vais devenir dingue si je fais rien sauter aujourd'hui! Ah! Monsieur, j'ai exactement ce qu'il vaut. Je l'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré la potion. Quel immonde fils de pute je suis. Alors, très bien. Pas de panique, on retourne sur le banc de création. Potion de l'explosion. Alors, est-ce que j'aurai assez de cloche-feu pour créer tout ceci? Potion de lumière, comment je l'ai fait déjà? Deux cloche-feu et un qui va vers le haut. D'accord, bah, de toute façon, on va pas partir de la potion de lumière, sinon on va être déséquilibré. Déjà, on va touiller là. Hop. Voilà, de là, ensuite, on va remonter. Voilà.
Même je pourrais utiliser le gros ingrédient secret que j'ai récupéré. J'en ai pas eu un comme ça. Non, j'ai pas récupéré, d'accord. Voilà. Blop. Là, il s'agit de pas se chier dessus. Voilà, plop. À partir de là, on met une moreille en plus. Ah, plop. Je sais pas ce que font les tourbillons en vrai. Je sais pas ce qu'ils font précisément pour être sincère. Suite à ça, on bourre ça. Et même on bourre un peu plus vu qu'il y a une diagonale, donc on aura moyen de doser derrière. Voilà. Plop, et on bourre une dernière. Et là par contre ça va être une question d'alignement. J'espère que je me suis pas baisé comme ça. Excusez-moi, j'étais en train de calculer en long, en large, en travers. Et là, normalement, ça devrait se passer. Hop, 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 touille, 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 touille. C'est la touillance. C'est la salsa, la touillance. Voilà. Pour un moment, la potion était un peu instable. Maintenant, c'est juste une question de doser avec de la flotte. À mon avis, on est pas mal. À mon avis, on est pas mal. À mon avis, on est pas mal du tout. Là, on est bien. Doudou, 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 doudou. Oh, on y est. Oh, putain, ça, c'est beau. Ça, c'est beau! Ça, c'est beau! Du coup, potion de flamme forte. Ouais, honnêtement, je pense qu'elle est optimisable. Je pense qu'elle est optimisable, donc on vire cette recette. Et on remplace ça par une potion d'explosion gigantesque. 3 L et 3 Morei. Non, je suis fort. Là, on est fort. Là, on est fort, là, on est fort, là, on est fort. Là, on a... Merde, nouvelle potion. Non, c'est de la merde, ça. Oui, efface la recette. Chauffe, 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 Marcel. Voilà, voilà, potion d'explosion, monsieur. Un plaisir, un délice, un régal. Négocier. Il me faut des thunes. Il me faut des thunes parce qu'il faut que j'achète des plantes, des champignons et surtout ces espèces de fleurs jaunes, là. Je suis désolé s'il y a des fleuristes qui nous regardent. Je suis sûr qu'il y en a. Hop, c'est un vrai métier. Hop là. Moins 30. Merde. Ah, il m'aime pas. Ah d'accord, donc il faut que je fasse gaffe. Ah non, mais moi, je discrimine pas. Je discrimine pas. Putain, c'est dégueulasse. Les gens, ils croient que je discrimine. Allez. On va se coucher. Toute façon, journée de merde. Je suis un incompris. Un incompris, je vous dis. Je suis un incompris. Comme ah, excellent. Ah, oh, plus 5, Dieu merci, ça sauve. Plus 5, plus 3, plus 1, plus 1, plus 1, plus 5. C'est tout. Eh ben, pas grosse récolte, hein, la magie aujourd'hui, hein. Un peu la zermie de la magie, hein, je mets de l'eau. Hein. Un café, mais la touillance, très bien. Ouais, voilà. Je suis un marchand ambulant, je passais dans votre échoppe, j'ai décidé de faire une halte. Je pense que certains de mes articles vous plairont. Qu'est-ce que vous vendez? Spécialisé dans rien. Très bien. Qu'est-ce qu'il vend? Oh la vache, 20$ pièce! Quel enculé! Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Du papier enchanté pour 400 balles, beaucoup trop cher. Des champignons mages. Grosse diagonale ça, hein. Et pas cher en plus. Hein. Pareil pour. Alors, par contre, betterave à boss, alors celle-là. Voilà. Champignons verts, c'est pas mal du tout ça, il les vend pas cher en plus. Champignons marron. Chardon tempête, doré épine. Ah, ça zone bien, ça. C'est pour récupérer l'XP, ça. Banane velue, donc full boomerang. Racine de lave. Oh, 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 oh. Ça, par contre, c'est fort parce que ça va grave à gauche, en vrai. Non, mais on va lui prendre un gros stock, je pense. Je pense qu'on va... On va bite de belette, si tu veux. On va se mordre la couille et on va lui prendre un stock. Parce que let's go. Ça vaut pas cher et ça va grave à droite aussi. C'est fort, hein. Je dois prendre 4-5. J'en ai déjà pour 200 balles. Juste avant, attends, je peux pas gagner du négociation coût 3. J'ai qu'un seul point de talent. Et merde. Bon. Négociation, c'est essentiel pour moi. 25%, 30% de bonus sur le prix d'origine. Voilà.
commerce, les prix vous sont 5% plus profitables. Ça, c'est intéressant. Et à la fin, les prix vous sont 50% plus profitables. D'accord, c'est ce skill que je devrais prendre aussi. Ceci affecte les transactions avec les marchands et les ventes de potions au chaland. D'accord, donc en fait, j'aurais dû prendre ça depuis le début, si tu veux. Ainsi que le bonus alchimique, parce que sinon, je vais jamais gagner d'XP, en fait. Bon, je le prends. Je le prends. Négocier. On va le négocier. Hein. Je peux lui vendre des choses. Ouais, mais ça vaut rien, ça. Je peux quand même lui vendre des potions, mais pas cher, si tu veux. Donc, négocier. On va le négocier. De toute façon, j'ai pas besoin que ce soit mon ami, ce mec. Voilà. J'ai besoin qu'il me fasse un prix d'éther. Voilà, 120 balles au lieu de 200. Pas mal, pas mal. Là, on discute. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Je peux même en profiter pour prendre 2-3 cèpes en plus, si tu veux. Genre, tac, tac, tac. Et ça, c'est une bonne diagonale. J'aime bien. Tac, tac. Après, j'ai pas beaucoup de choses qui me font aller vers la gauche, si tu veux. Beaucoup de choses me font aller à droite, mais pas beaucoup à gauche. Et c'est, ça va être un problème. Ouh, putain, ça, hémoglipping, d'accord, ça va grave à gauche, mais problème, c'est que cher, et ça, je pourrais brûler les petites herbes, j'aurais combien, 38, 31, bon, bah, on agrandit le score, mais voilà, on négocie derrière, hop, voilà, très bien, elle est vendue, merci, tirez-vous, allez, cassez-vous. Level up! Super! Et ben, level up. Le commerce! Allez, vendu! Très bien! Mon père et moi nous rendions au marché quand il s'est bloqué le dos. On y est presque, mais il peut pas se lever du chariot. Vous avez pas un onguent? Ah! Vous êtes au bon endroit. Mes réserves sont plutôt positives. Il n'y a pas de livre sur la route, enfin il y en a un, mais ça ne serait pas intéressant pour moi à récupérer, donc côté XP on n'y est pas si tu veux. C'est intéressant pour moi d'explorer plus loin que le feu. Je me demande ce qui se trouve, je sais pas, ce qui se trouve là par exemple. Il n'y a pas de trait? Non, il n'y a pas de trait, on peut pas le savoir. Là par contre il y a un trait. Putain, mais la potion de feu m'a demandé tellement de ressources sur la gauche, c'est difficile. Et ça, il faut que je passe ce mur, donc ça va être complexe ça aussi, hein. Ça va être complexe. Sans garantie de savoir s'il y a derrière aussi. Donc quel enfer. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a une potion là avec grave de l'XP à se faire. Et là, il y a une autre potion ici. On ne sait pas vraiment ce que c'est. À droite de la potion de mana. Ça, c'est une potion de mana. Très bien. Eh bien, écoute, on va lui faire une potion toute faite. Grosse potion de soin. Concocter cette recette. Voilà. C'est facile à faire. Et encore un client satisfait. Cette potion est parfaite, je le vends. Je veux me faire passer pour quelqu'un de gentil, donc il va falloir que je monte ma répute. Une créature minuscule mais extrêmement pénible a élu domicile chez moi. J'ai pas encore repéré, mais elle a déjà mangé la moitié de mes conserves dans le cellier. Chaque nuit, elle dévore le porridge que je prépare le lendemain matin. Je veux empoisonner mon petit déjeuner pour en finir avec ce lutin de malheur. J'espère que ça me fera pas passer pour un méchant. Mais du poison, j'ai. Hein. J'ai même pour pas cher. Hein. Juste un gauche et juste une terrarie, parce qu'il est là, le poison. Ça va pas assez à gauche. Et la terre, il va pas assez en bas. Alors, je pourrais lui faire des poisons rang 3, tu vois. Bon, tant pis. Allez. Après tout, madame. Voilà. Alors. Ouais, c'est bon. Je suis gentil en faisant ça. Ok. Ma maison est nichée au bord de la rivière, mais le reste du village se trouve sur l'autre rive. Chaque fois que je vais y faire un tour, je dois faire un long détour pour passer le pont. J'en puis plus. Il faut que je gèle la rivière pour la traverser directement. Vous croyez que ça peut marcher? Geler la rivière, oui, mais après, est-ce que c'est raisonnable? Non, monsieur, mais ok, champignon vert, comptez cette recette, bouc bouc. Voilà, monsieur le Pégu. Excellent, cette potion est parfaite. Parfait, et vous êtes un client formidable. Votre échoppe est devenue plus populaire. Ce chapitre termine, chaque chapitre... Continuez à remplir vos objectifs pour développer votre plein potentiel et apprendre les secrets du métier. Une seconde. Ah tiens, j'ai fait ça. Ah bah pas mal, j'ai terminé le chapitre 2. Ouais, de l'XP. Chapitre 2, il est là. Réparer la machine alchimique. Créer une potion avec 3 effets différents. Récolter beaucoup d'expérience sur la carte alchimique. Atteindre un niveau de popularité 6. Une potion avec un nom ou une apparence personnalisée. Une potion de vision magique, potion de charme, potion d'acide et potion de furie. Putain de merde. Et créer une potion de ralentissement. Apparemment, ça se tient en 4, ça. Ok. Alors, attendez. Il me faut des pièces détachées avec un marchand qui veut bien me les vendre. Très bien. Bonjour, j'ai quelques champignons dans les bois. Vous vendez les champignons au marché noir?
Évidemment. Très bien. Il vend des champignons. Éponge. C'est bien ça. Ça c'est fort ça, j'en veux. Ça c'est cher, mais ça va à gauche, grave. Et puis il y a moyen, ça fait une diagonale en plus, donc c'est sexy. C'est sexy. Champignon vert, ça vaut très cher. Tout ceci vaut très très cher en vérité. Hein. On va le négocier. Pas de raison de se ruiner le cul quand il s'agit pas de vendre. Voilà. Merci. Très bien, partez. Alors, le soldat. Alchimiste, j'ai encore besoin d'une potion de soin. Je vais protéger les paysans contre des bandits. J'avais la situation sous contrôle quand l'un d'eux s'est faufilé derrière moi et m'a assommé. Les paysans ont réussi à s'enfuir et aucun blessé n'est à déplorer. Mais le choc est très violent. Ça martèle dans ma tête. Ah, une concussion. Non, une petite concussion cérébrale. Allez, hop, buvez-moi ça. Allez, potion d'explosion. D'explosion? Laissez, laissez, c'est l'habitude. Très bien. Eh ben, elle est parfaite. 28 balles. Putain, qu'est-ce qu'on fait pas pour de la bonne répute? Bonjour alchimiste, je suis guérisseuse et il me faut une potion pour restaurer mes pouvoirs magiques. Vous pouvez m'aider? Ah! Oui, sans doute. Mais je crois pas avoir une recette toute faite pour ça. Non, j'en ai pas. Il me faudrait du papier cul magique supplémentaire. J'aurais dû l'acheter quand le vieux est passé. Il me faut cette potion de mana. Potion de mana, potion de mana. Comment je le négocie celui-là? Je fais un truc comme ça, pec pec. Non, attendez, je regarde s'il n'y a pas un chemin. Voilà, 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 un petit champignon. Le champignon mage, il est gratuit, il est gratuit si tu veux. Ça me permet d'économiser aussi pas mal de ressources. Donc, Le bruit est absolument répugnant. C'est le même que quand tu te fais des potions. Très bien. Alors, et ensuite à partir de là, un droite, un haut. Et on y est! Et ben voilà! Et ben voilà! Voilà! On le touille pas trop, juste ce qu'il faut. Et là, on n'est pas beau là? Il se passe pas des choses magiques? Il ne se passe pas des choses magiques? Ah! Dilu. Ça marche pas, tant pis. Dommage, bien tenté. Et ben, potion de mana, vendu. Voilà, madame. Impeccable. Pour vous, en exclusivité. Potion de mana. Ça fera l'affaire, mais je paierai plus cher pour une meilleure qualité. Bah, si vous voulez payer plus cher, écoutez, ça se négocie. Moi, à la base, je voulais vous proposer 40 balles. Mais ce que je vous offre, c'est 56 parce que vous m'avez pété les couilles. Merci, madame. Au revoir, madame. Pourquoi mon voisin a toujours des récoltes abondantes et des bestiaux gras alors que je ne fais jamais rien pousser, alors que je ne fais jamais rien pousser et que tout mon bétail a péri à la fin de l'hiver dernier? Comme vous, cette injustice. Vous devez avoir des potions de feu, non? Je veux voir les flammes de la justice rétablir l'équilibre chez mon voisin. Monsieur, puis-je vous proposer cette alternative pacifique? J'en ai pas besoin de cette potion. Eh ben, j'ai pas besoin de ce client. Tire-toi. Gentil. Yes. Yes. C'est bon, on a gagné la moralité. On est bien, on est bien. Je n'ai pas vraiment de chance avec mes compagnons soldats de la caserne. Après l'extinction des feux, ils se mettent tous à ronfler comme un troupeau de cochons. Je me souviens guère plus de la dernière nuit que j'ai passé à dormir. C'est pas une potion de sommeil. Monsieur, enregistré, non, mais il va falloir la bricoler du coup. Pouah, elle est loin. Écoute, ça se négocie, très sincèrement, on y travaille, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a ça par exemple, qui te fait partir vachement loin, mais au même niveau. Donc c'est juste une question de s'aligner correctement. Voire même un peu plus bas, et puis voilà, impeccable. Écoute, de toute façon, il n'y a pas de crâne sur la route, alors mets ta vie que c'est safe. Hop, bloup. Et à partir de là, les fameuses tourbilolera. Bloup. Les plantes du tourbilol. Tourbilol, tourbilol. Bloup. Et là, pas dit que ce soit bien, mais écoute.
Attends, j'ai peut-être trop touillé là du coup. Pensez que c'est level 3 ça? Franchement, si c'est pas level 3, c'est une injustice. T'as le chemin. T'as le chemin. L'XP. Level 3, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Alors attends, est-ce que je peux effacer une potion? Est-ce que je peux effacer la potion de soins simples? Parce qu'honnêtement, en l'état, on s'en bat les couilles. Voilà. Book. Allez. Merci Jean Gilbert. Merci Rodolphe Célestin. Bonne nuit. Book. Excellent, cette potion est parfaite. Négocie. Book. Allez. Merci. Alors, négocier, ça fait baisser ma... Enfin, ça fait baisser mes gains de réputation, de popularité, pardon, mais ma réputation augmente quand même. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on négocie à l'infini pour se faire des thunes à plus savoir quoi en foutre. Pas mal, et ben pas mal. Et ben écoutez, c'était un épisode 2 jours de Potion Craft. On est bien là, on est bien. Dis-lui. Pousse-t-on. Dis-lui. Mets de l'eau. Voilà, chauffe. Fais chauffer l'eau. Dis-lui. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. C'est vous qui l'avez demandé. On avance, on fait des potions, c'est du grand n'importe quoi. C'est la détente. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Je suis inquiet. Un jour, un de ces connards va me demander une potion que je sais pas faire. Et je pense pas qu'on aura autant de chance que la dernière fois. Hein. Surtout qu'on est à une chance sur deux, là. C'est un peu la zermie, hein. C'est pas grave. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous à tous. Et à la prochaine. Hop. Bouc.